Donc, Muay Thai, 59 ans, appelé Pouvanha, tu es un des seuls députés de la République indépendantiste. Est-ce que c'est pas contradictoire de vouloir être indépendant et député de la République française? Non, pas du tout. Il y a deux voies d'accession à l'indépendance. La première, c'est la violence, la guerre. C'est ce qu'a fait l'Algérie, ce qu'a fait le Vietnam, ce qu'ont fait certains pays d'Afrique. Ce n'est pas le choix qu'a effectué le Tamil Nadu à sa création en 1977. On a opté pour. Enfin, quand je dis on, nous, on n'y était pas. Hein. Eux, ils n'étaient même pas nés. Moi, je joue aux billes. Mais ceux qui ont créé le Tamil Nadu ont opté pour l'option démocratique, l'option légale. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on a à notre disposition un certain nombre d'outils. Les élections sont des outils qui nous permettent d'avoir à la fois une tribune, d'avoir à la fois un moyen de sonder la volonté du peuple, puisque à chaque fois qu'on est élu, ça veut dire que quelque part le peuple place sa confiance dans nos idées, dans nos valeurs. Et on utilise ces outils-là. On est des gens finalement très légalistes, et on s'inscrit à la fois dans la Constitution française et tout ce qu'elle permet, tout ce qu'elle autorise, mais aussi dans le droit international. Et c'est pour ça qu'on est allé aux Nations Unies, c'est pour ça qu'on a œuvré pour cette réinscription, et je dis à chaque fois réinscription, puisqu'on était inscrit sur la première liste de 1946. Et donc pour moi, je vois aucune contradiction. La contradiction, ce serait plutôt l'inverse. C'est un peu comme si, tu vois, tu avais un gamin, et puis tu lui dis, vas-y, mets la tête sous l'eau. Et puis à ce moment-là, tu lui dis, ah, mais non, n'utilise pas le tuba, parce que le tuba, il m'appartient. Voilà, donc à ce moment-là, tu ne lui laisses aucun choix, tu le mets dans une impasse. Et donc dire aux indépendantistes, vous ne devriez pas briguer un poste de député parce que vous êtes indépendantiste, c'est exactement dire à cet enfant, garde la tête sous l'eau, mais n'utilise pas le tuba, parce que c'est à moi qu'il appartient ce tuba. Donc nous, nous disons non, ces moyens démocratiques, et il faut se réjouir d'ailleurs de faire partie, malgré tout, d'un ensemble, d'une république démocratique qui permet l'expression d'idéologie, de formes de pensée qui ne sont pas la forme dominante, jacobine, autonomiste qu'on a aujourd'hui, et bien on utilise tous ces moyens-là. Alors, Temat, tu es jeune, tu es diplômé, tu es dynamique. Certains voient en toi et également Steve un renouveau de la classe politique, notamment chez le Tavigny. Gaston Flosse prétend même que vous seriez des nouveaux indépendantistes, voire des indépendantistes un peu frileux. Qu'en pensez-vous? Alors, ma première participation à une élection en tant que candidat, c'est celle-ci, et c'est en tant qu'indépendantiste. Et la première fois que j'ai mis un bulletin dans une urne, c'est un bulletin où il était marqué Tavenir Huilatila. Donc, au final, comparé à d'autres personnes qui ont levé le drapeau autonomiste pendant 60 ans. Moi, je commence une carrière, ou du moins, je commence ma vie en tant que personne et en tant que personne engagée, en tant que citoyen engagé, avec le mouvement indépendantiste, et je le finirai avec le mouvement indépendantiste. Mais pour sortir de mon exemple personnel, lorsqu'on se bat contre un système, qui est là le système colonial, on ne peut pas stigmatiser une personne lorsqu'elle passe d'indépendantiste à autonomiste ou d'autonomiste à indépendantiste. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où lorsqu'on est indépendantiste, on est stigmatisé. Lorsqu'on passe d'autonomiste à indépendantiste, on l'est encore plus. Et nous, en tant qu'indépendantistes, on doit au contraire accompagner toutes ces personnes qui font ce choix d'avoir enfin compris, ou du moins nous c'est notre combat, d'avoir ouvert les yeux sur la situation dans laquelle nous sommes. Et au contraire, on doit se réjouir du fait qu'une grande majorité commence à faire le pas vers cette indépendance. Et donc, c'est une très bonne chose que M. Gaston Flosse l'ait compris aussi.
Merci beaucoup. Alors, Steve, plus tôt, tu nous parlais des Polynésiens de cœur, des Polynésiens d'adoption, des Maori, de qu'est-ce que ça représentait d'être Maori. Est-ce que, quand on est indépendant, on déteste la France et les Français? Oh, la grande question qui fait peur et surtout l'épouvantail qu'on aime à agiter de part et d'autre quand on parle d'indépendance. Non. Au risque de décevoir nos détracteurs autonomistes, non, quand on est indépendantiste, on ne déteste pas les Français. Je le disais tantôt, notre combat n'est pas un combat ethnique. Nous ne combattons pas le peuple français. Et comment d'ailleurs nous pourrions combattre le peuple français, puisque nous-mêmes, dans nos familles, dans ma famille par exemple, mon beau-frère est bordelais. Et mon beau-frère qui est bordelais, et j'ai l'impression qu'il est plus indépendantiste que moi pour mon pays, parce que lui, il accomplit justement la distinction que nous faisons dans notre combat politique. On n'est pas là pour combattre les gens, on est là pour combattre un système qui nous met sous cloche. Ça fait 40 ans, comme je le disais aussi, ça fait 40 ans que nous expérimentons ce statut d'autonomie interne, et ça fait 40 ans qu'on nous chante cette chansonnette quotidiennement que grâce à la France, on peut développer le pays, etc., etc. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'au bout de 40 ans, nous avons 55 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous avons aujourd'hui, au bout de 40 ans d'autonomie, la précarité qui s'installe et qui s'ancre dans notre pays. Donc non, il ne s'agit pas de stigmatiser. Et nous refusons d'être stigmatisés dans ce débat simpliste et un peu idiot, je suis désolé de le dire. Je dis que les indépendantistes sont contre les Français. Non, nous ne sommes pas contre les Français en tant que peuple, nous sommes contre un système colonial dans notre pays qui ne favorise pas l'émergence de nos pleins potentiels, qui ne favorise pas le développement et le développement du plein potentiel du peuple maori qui a une histoire millénaire, et je le répète encore, qui est une civilisation millénaire. Pour ajouter un petit mot sur ce que vient de dire Steve, le pendant pervers de la colonisation, c'est que du système dans lequel nous sommes actuellement, c'est que les relations qu'il y a entre différents peuples ou différents individus qui sont de deux ethnies différentes nous forcent dans ce système colonial à soit détester l'autre, soit nous détester nous-mêmes. Aujourd'hui, soit nous devons aimer la France, et ça veut dire que nous devons nous aliéner en tant que Polynésiens, soit nous devons retrouver notre identité polynésienne et dans ce cas-là, détester la France. Et sortir de ce système, c'est aussi à la fois épouser notre identité et pouvoir aimer toutes les autres cultures, sociétés, peuples que nous avons autour. Et c'est la raison pour laquelle nous devons sortir de ce système qui nous demande de faire un choix entre soit notre histoire ou celle qu'on nous impose. En parlant d'ancrage, en parlant d'amour, Mouetei, tu viens d'une famille autonomiste et puis tu es devenu indépendantiste donc, quand tu étais au collège. Est-ce que c'était pas dur d'être indépendantiste dans une famille autonomiste? Ah, il y avait des repas et des discussions très très animées, mais quand on a ces discussions avec sa maman, qui vous a mis au monde, qui vous a aimé comme on peut rarement aimer, c'est forcément des discussions respectueuses, même si elles sont animées. Moi, je me souviens encore, hein, quand je suis revenu du collège, ouais, j'avais 11 ans, je me suis dit, maman, je crois qu'Oscar Temaru, il a raison, il faut qu'on redevienne indépendant. Elle m'a regardé, elle m'a touché le front pour voir si je n'avais pas chopé un truc. Et puis elle m'a dit, bon, écoute, si tu es vraiment convaincu de ça, assieds-toi, on va discuter. Et elle m'a dit la chose suivante, et je pense que c'est symptomatique, c'est quelque chose que quasiment tous les autonomistes expérimentent. C'est-à-dire qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas contre l'indépendance, ils sont même pour. Et c'est ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Elle m'a dit, tu sais mon fils, l'indépendance, c'est une magnifique idée, c'est une notion fantastique. On a tous envie d'être indépendant. Et moi, je vous élève pas pour que vous deveniez autonome, je vous élève pour que vous deveniez indépendant. Maintenant, tu vas m'expliquer. Papa et moi, on est fonctionnaires. Ma mère était institutrice, mon père était infirmier. On est tous les deux fonctionnaires. Demain, on est indépendant. Qui paye nos salaires? Après-demain, quand on sera à la retraite, qui va payer nos retraites? Est-ce qu'il y aura encore une justice? Est-ce qu'il y aura encore un système de santé? Quelle sera la monnaie? Qui va nous défendre? Est-ce que ce sera l'anarchie? Est-ce qu'on va redistribuer les terres et déposséder ceux qui sont aujourd'hui propriétaires? Voilà, des questions qui sont pertinentes, qui sont légitimes
Parce qu'on ne peut pas demander. On est né dans ce système-là. On est né en Polynésie française autonome. Les plus âgés d'entre nous ont connu l'avant CEP, mais ils sont de moins en moins nombreux. Moi, tous mes enfants sont nés après les derniers essais nucléaires. Donc, ils n'ont pas connu cette période-là. Et il faut expliquer aux gens. On ne peut pas leur demander de faire ce saut vers l'inconnu, puisque finalement, ils n'ont jamais connu l'indépendance, sans leur expliquer à minima comment on envisage d'y arriver. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer les jours d'après? Parce que l'indépendance, ce n'est pas une fin en soi. On n'est pas indépendantiste juste pour arriver à l'indépendance. Mmh. On est indépendantiste parce qu'on est convaincu que c'est un passage obligé vers un autre modèle de société, une nouvelle société polynésienne et une nation. Donc ce qui est essentiel, c'est d'expliquer comment on y arrive, qu'est-ce qui se passe le jour J, comment on fait pour ne pas avoir la gueule de bois le lendemain, et puis qu'est-ce qui se passe dans les années qui suivent, et comment, quelle va être l'évolution de notre relation avec la France. La France est notre colonisateur historique, ce sera un partenaire avec d'autres quand on sera indépendant. Donc il faut expliquer tout ça. Mais je pense qu'il faut aussi être juste et pas demander aux indépendantistes d'expliquer plus que ce qu'on exige aujourd'hui des autonomistes. Je vais essayer de clarifier ma pensée. Aujourd'hui, comme tu disais, 55 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté, un taux de chômage qu'on hésite à révéler mais qui n'est pas brillant, des inégalités sociales, une distribution des richesses qui est absolument scandaleuse chez nous, avec des gens très 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 riches et une majorité de gens qui tirent la langue. Ça aujourd'hui, c'est le résultat de l'autonomie. 88% de ce qu'on consomme est importé, alors qu'on était exportateur avant l'arrivée du CEP, on était en situation de quasi-autosuffisance alimentaire. Bref, une société qui a été bouleversée, une économie qui a été bouleversée. Et on ne demande jamais aux autonomistes d'expliquer comment ils vont faire pour résoudre tous ces problèmes. Par contre, on l'exige des indépendantistes. Alors, nous, on a des éléments de réponse sur comment arriver à l'indépendance. D'abord, la première chose qu'il faut dire, redire et clarifier une bonne fois pour toutes, c'est qu'on n'envisage pas, nous, de décréter l'indépendance. C'est pas Steve Chaillou, c'est pas Timothée Le Gaï, c'est pas Timothée Vanderson, c'est pas non plus Oscar Temaru qui un jour vont venir annoncer aux Polynésiens « Nous décrétons que demain nous serons indépendants ». Non, c'est pas ça. C'est pas non plus l'ONU qui va décréter notre indépendance. Notre indépendance, on va la décider ensemble. Il y a un processus. Et donc il faut expliquer les étapes. Il faut expliquer que ce processus, il doit être multilatéral. Il faut qu'il y ait un arbitre extérieur. On peut pas... Vous ne pouvez pas jouer au foot si l'arbitre est le papa du capitaine de l'équipe A. Donc on ne peut pas envisager un processus d'autodétermination en discussion bilatérale avec la France. C'est pas possible. La France serait à la fois juge et partie. Donc il faut cet arbitre externe, cet arbitre neutre. Et l'ONU, il faut le rappeler, les Nations Unies ont été créées en partie pour ça en 1945. Ça a été l'arbitre de toutes les décolonisations et de toutes les indépendances dans les années 60-70. Donc nous, c'est notre vision des choses, une vision encore une fois légaliste qui s'inscrit dans le droit international, et on arrivera à un ou plusieurs référendums. Ça, c'est des discussions qu'il faut qu'on ait avec l'État et avec les Nations Unies, et c'est les Polynésiens qui décideront. Si les Polynésiens ne veulent pas être indépendants, on ne sera pas indépendants. Ça ne veut pas dire que l'indépendantisme va disparaître ce jour-là. Non, il y aura toujours des indépendantistes. Mais les Polynésiens auront fait un choix. Voilà. Du coup, j'ai oublié la question. C'est pas trop dur d'être indépendantiste dans une famille autonomiste. Alors, non, ça n'a pas été dur parce que j'ai réussi à apporter, je pense, pas mal de réponses à un moment. Mon papa, lui, il a fait son petit chemin tout seul, et puis il est devenu indépendantiste sans que j'aie besoin de discuter avec lui. Mais ma maman, je pense que jusqu'au bout, elle avait cet attachement à la fois au Tarawera et puis aux accomplissements. Faut pas non plus noircir complètement le tableau. Gaston Flosse a été un président bâtisseur.
Il a fait énormément de choses pour faire avancer les choses. Sur la fin, ça a commencé à foirer un peu, enfin, c'est mon avis en tout cas, parce qu'il n'écoutait plus personne, il n'écoutait que lui. Il recommence d'ailleurs. Mais voilà, ça a été il a fait beaucoup de choses. Si Tahiti Nui existe, c'est grâce à Gassot. Si aujourd'hui on a une télévision polynésienne, TNTV, c'est aussi ce côté visionnaire et puis un peu têtu, autoritaire qu'il avait. Quand il voulait quelque chose, il fallait que ça arrive. Donc il a fait des choses, il ne faut pas le nier. Mais voilà, est-ce que ça a été dur d'être indépendantiste dans une famille d'autonomistes? Non, ça n'a pas été dur parce que, au final, c'est un peu comme les religions. Il y a plusieurs religions, mais aucune d'elles ne devrait prétendre à détenir toute seule la vérité. Donc, ma maman m'a toujours appris que, bah, qu'on soit indépendantiste ou qu'on soit autonomiste, bah, on est avant tout polynésien. Et je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses. D'accord. Et outre la question de la décolonisation, on entend aussi beaucoup parler d'urgence climatique, notamment illustrée par le rapport du GIEC dernièrement. Est-ce que selon toi, l'indépendance serait un moyen d'être précurseur sur le plan écologique? En tout cas, c'est un moyen de pouvoir retrouver cette souveraineté politique qui nous permettrait de mettre en place des dispositions nécessaires à lutter contre le réchauffement climatique. D'abord, pour faire un rappel historique, les raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui face à cette urgence climatique, c'est dû à un système capitaliste, globalisé, avec une volonté d'accaparement des richesses, de volonté d'enrichissement juste pour s'enrichir, ça le capitalisme, et de récupérer toutes les richesses qu'il y a autour du monde et de pouvoir les ramener en un seul pôle. Partant de ce principe, la colonisation a participé au développement du capitalisme. Pendant toute la période coloniale, c'est un système économique basé sur le capitalisme qui a été mis en place par la colonisation. Donc au final, abattre ce système colonial, c'est aussi abattre ce système capitaliste. Et lorsqu'on le voit, nous, en Polynésie, toutes les décisions sont prises à 22 000 km. La majorité de ce qu'on importe vient de la France. Finalement, on a une empreinte carbone qui est extrêmement élevée. D'ailleurs, même le fait que nous, si nous sommes députés, nous allons à chaque fois à Paris. Ah, ça, c'est sûr. Je témoigne, mon bilan carbone est désastreux. Voilà, c'est désastreux. Et donc, le plus important, c'est de récupérer cette souveraineté politique pour pouvoir décider nous-mêmes de ce que nous voulons faire. Maintenant, on va me dire, oui, mais l'environnement est de compétence de la Polynésie. Très bien. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de la compétence de la Polynésie qui nous permettent de développer des mesures nécessaires à faire face à cette urgence climatique. Moi, je prends toujours l'exemple de l'enseignement supérieur. Si nous voulons développer des nouvelles techniques nécessaires à faire face à l'urgence climatique, il nous faut de la main-d'œuvre. Et surtout, il nous faut de la main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, dans nos lycées, comme dans nos écoles supérieures, nous n'avons pas les filières nécessaires adaptées pour que demain, on ait des ingénieurs en solaire, en énergie thermique des mers, en hydroélectrique, on est obligé d'envoyer des personnes, des Polynésiens en France ou à l'étranger récupérer ces diplômes et ensuite revenir. Et le souci, c'est que lorsqu'on fait des études, les études sont adaptées en fonction des réalités du territoire. Lorsqu'on envoie un Polynésien pour devenir ingénieur en hydroélectrique à Bordeaux, ben, ils vont s'appuyer sur la force des marées qu'il y a à Bordeaux ou pour s'appuyer sur le fleuve qui traverse la ville de Bordeaux. Donc au final, lorsqu'il va revenir ici et qu'on va lui demander d'appliquer toute la science qu'il a récupérée de ses années d'études, ben, il ne pourra pas appliquer cela au Tuamotu. Parce que finalement, ses études n'étaient pas adaptées aux réalités du terrain. Et en plus de ça,
Aujourd'hui, nous n'avons pas cette compétence, c'est la compétence d'État, l'enseignement supérieur. Donc, encore une fois, nous ne maîtrisons pas la production de cette main-d'œuvre qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Parce que, vous savez, on a de l'argent. Vous prenez 1 milliard, vous le mettez dans un coffre pendant 1 an. Ben, ce milliard, vous allez retourner le chercher 1 an après, ben, il va rester 1 milliard. Donc, si on a de l'argent, mais qu'on n'a pas la main-d'œuvre, qu'on n'a pas les idées et qu'on n'a pas les projets, ben, cet argent ne sert à rien. Aujourd'hui, on nous vend l'autonomie parce qu'on a de l'argent. Mais si on n'a pas d'idées pour développer ce pays, si on n'a pas la main-d'œuvre pour développer ce pays, cet argent ne sert à rien. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. C'est que beaucoup de cet argent sont faits pour construire des routes. Et les routes, et les routes, ça ne sert à rien. Alors justement, Steve, l'avenir se construit dès aujourd'hui. Si demain tu deviens député, concrètement, quelles seront tes 3 mesures phares? Alors moi, je vais parler d'abord de 2 mesures phares. D'abord, pendant tout mon discours de tout à l'heure, je parlais d'ancrage et d'enracinement. Alors effectivement, qu'on peut étaler des projets de loi intéressants, innovants, etc. Effectivement qu'on peut le faire, mais moi je pars du principe qu'il faut commencer par nos racines, toujours nos racines. Or, depuis 2003, au niveau de la Constitution française, nous ne sommes plus considérés dans la Constitution française comme étant un peuple. Nous sommes depuis 2003 considérés dans la rédaction de la Constitution comme étant un territoire, une population. Alors certains vont dire, oui mais bon, ce sont des synonymes parce que peuple, population, c'est à peu près la même chose, mais non. Et encore plus quand on est anthropologue, il y a une vraie différence à faire. Un peuple est héritier d'une terre, un peuple est héritier d'une culture, d'une langue, d'une coutume, d'une vision particulière d'un monde, d'une ancestralité. Un peuple, c'est tout ça. C'est tout ça. Alors que, à l'inverse, une population, ce n'est ni plus ni moins que le nombre de personnes qui habitent dans un lieu donné, tout simplement. Et nous, dans notre combat justement pour la réhabilitation de notre peuple, dans la réhabilitation de nos mémoires et de notre pays, il s'agit effectivement de commencer par les racines et donc de se battre au niveau de la Constitution pour que, effectivement, nous puissions réhabiliter de nouveau la notion de peuple. Nous sommes, en tant que Polynésiennes et de Polynésiens, nous sommes un peuple et nous ne sommes pas une population. Et donc, quand je dis ça, évidemment qu'un peuple ne peut pas être dissocié de ses langues, puisque à quoi reconnaît-on un peuple? D'abord, ce sont ses langues, évidemment. Et là aussi, depuis 1992, l'article 2 de la Constitution française nous dit très clairement que seule la langue française est la langue officielle sur tous les territoires de la République, donc nous y compris. Et donc, moi, il s'agira évidemment de me battre avec mes collègues pour que la notion de peuple soit réhabilitée, mais concomitamment à cela, afin aussi que nos langues soient réhabilitées dans le titre de langue officielle. Et quand je parle de ça, je ne parle pas uniquement d'une perspective tahitiano-centrée. C'est-à-dire que ce n'est pas que la langue tahitienne. Nous devons officialiser toutes les langues polynésiennes. Les linguistes parlent de 7 langues polynésiennes en tout. Le marquisien du Nord, le marquisien du Sud, la langue des Tuhapa, la langue Rapa, la langue Pomutu, la langue mangarévienne et la langue de Rapa. Donc on a 7 langues en tout et qu'il faut valoriser et surtout rendre officielles. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand on est indépendantiste, on ne veut surtout pas devenir nous-mêmes les colonisateurs au sein même de notre propre pays. Ce qui se passe malheureusement, c'est que moi je constate qu'à Ranguirois, par exemple, à Ranguirois, ils ne parlent plus leur langue. La langue qui est usitée à Ranguirois, c'est le tahitien, si je ne me trompe pas. C'est le tahitien, alors qu'ils ont leur propre langue. Donc nous, en tant que tahitiens qui vivons ici à la capitale, entre guillemets, il ne s'agira pas non plus pour nous d'aller coloniser nos archipels. Non, il faut réhabiliter les langues dans tous nos archipels parce que toutes les langues polynésiennes ont des valeurs et des valeurs essentielles. Par rapport à ça, je voudrais rajouter aussi le fait que souvent on a une vision de la langue très limitée dans notre tête, c'est-à-dire qu'on considère la langue comme uniquement et essentiellement comme étant un moyen de communication. Mais ce n'est pas que ça. Une langue est dépositaire aussi de la sagesse et de la savoir d'un peuple. Une langue aussi peut être appréhendée sous l'angle aussi de l'esthétisme, sous l'angle philosophique, sous l'angle artistique, sous l'angle... Il y a plein d'angles qu'on peut aborder au niveau des langues. Or, aujourd'hui, on est ramené dans un discours très réducteur où la langue ne sert qu'à être un véhicule pour
de communication. Non, une langue, c'est bien plus que ça. Je vous racontais une anecdote. Quand j'étais professeur à l'université de Hawaï, j'ai assisté à une comédie musicale hawaïenne qui durait 3 heures, donc dans le grand théâtre de l'université de Hawaï. Une comédie musicale exclusivement en hawaïen. Et le public qui était présent dans le théâtre était un public majoritairement américain, les white, américains blancs. Et donc moi j'étais là, j'étais surpris, je les voyais, il n'y a pas de sous-titres, rien que hawaïen. Et donc je pose spontanément la question aux gens qui étaient là, mais est-ce que vous comprenez ce qu'ils disent? Et puis ils me répondent, non, on ne comprend pas, mais ce n'est pas une question de compréhension intellectuelle. La langue, on peut la comprendre aussi par son cœur. La langue a une musicalité. Et donc le fait de venir et d'assister à cela, on est dans une position aussi où on s'abreuve de cette musicalité de la langue. Et on peut comprendre une langue, pas d'un point de vue essentiellement intellectuel, mais on peut la comprendre avec le cœur. Et c'est pour ça que ces gens étaient là, parce qu'ils étaient là, pas dans une perspective intellectuelle de communication, mais dans une perspective d'appréciation vraiment de la dimension esthétique, poétique, philosophique des langues. Et c'est peut-être un petit peu cette perspective-là qui nous manque dans notre pays, où on a tendance à cristalliser la question de la langue essentiellement sur la question de la communication. Une langue est beaucoup plus riche que l'aspect communicatif. Alors, Mutei, au plan de la géopolitique, on parle souvent de la volonté de la France de prendre une place de plus en plus importante dans l'Indo-Pacifique. Est-ce que la position de la Chine te fait peur par rapport à la Polynésie française ? Je pense qu'il faut être prudent. Il ne faut pas être apeuré, il faut être prudent. La Chine, c'est un grand pays, c'est aujourd'hui peut-être la première puissance économique au monde. Maintenant, si on regarde l'histoire de Chine, elle a très rarement colonisé des nations avec lesquelles elle n'était pas limitrophe. Hein? Des nations limitrophes, ça, il n'y a pas de doute, il y a eu le Tibet, Taïwan, mais c'est juste en face, voilà, ils considèrent que c'est chez eux. Le Japon, ils ont fait une petite tentative, ça n'a pas fonctionné, mais ils sont, à ma connaissance, pas allés coloniser à l'autre bout du globe. Les Chinois ont une vision économique du monde avant tout. Ils ont inventé le boulier, on va pas leur expliquer le business. Et c'est pas non plus une démocratie au sens où nous on l'entend. Avec ses inconvénients et ses avantages. Et il faut pas non plus les juger simplement au prisme de notre perception de la démocratie. Occidentale. Quand on va en Chine et qu'on discute avec des Chinois sympas, pas des dirigeants politiques, ils nous expliquent que la démocratie, c'est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Parce qu'ils sont 1,4 milliard et que s'il y avait autant de partis politiques en Chine qu'il y en a chez nous, bah, il faudrait 3 ans pour faire une élection. Et 3 ans pour faire les dépouillements. Et donc, ils ont cette culture, cette histoire du parti unique. L'avantage, c'est que cette forme de démocratie autoritaire permet la planification. Et donc les Chinois, aujourd'hui, ils vivent des choses qui ont été planifiées il y a 40 ans, qui ont été anticipées et ils déploient cette planification. C'est quelque chose qu'on peut leur envier. Face à ça, on a les vieilles puissances. Les puissances européennes qui sont les plus vieilles, on va dire. Ensuite, on a les États-Unis qui sont plus jeunes que les puissances européennes, mais qui commencent aussi à dater, qui se disent « Ah, mais on n'est plus les maîtres du monde ». Et donc forcément, ça les met mal à l'aise parce qu'ils ont cette vision ethnocentrée du monde où il y a d'abord eux et puis ensuite il y a les autres. Et ils voient l'émergence de la Chine comme une menace. On peut les comprendre. Est-ce que la Chine est une menace pour nous ? Moi, je ne le prends pas comme ça. C'est un partenaire potentiel. C'est un partenaire dont il faut se rappeler la culture. On a vu quand même dans le Pacifique Sud une espèce de politique de la dette, une politique chinoise de la dette, qui consiste à venir donner un coup de main, venir faire des prêts, sans réclamer le remboursement au début, mais en sachant bien qu'à un moment ou à un autre, il y aura une contrepartie. Donc la Chine, c'est un partenaire potentiel, c'est un partenaire avec qui il faut négocier de manière très prudente. Ils ont une vision du droit
qui est particulière. Les contrats avec la Chine, tous ceux qui ont fait du commerce peuvent vous le dire, c'est des espèces d'objets à géométrie variable. Un jour c'est oui, un jour c'est ben non, finalement on ne veut plus. Donc il faut être prudent, mais il ne faut pas forcément en avoir peur. La stratégie indo-pacifique française, c'est la réponse aux nouvelles routes de la soie. C'est la tentative, en tout cas, de réponse à ces nouvelles routes de la soie, c'est de se dire, bon, ben, voilà, on a nos possessions dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique qui nous permettent finalement de contrebalancer cette influence chinoise. Est-ce que la France a réellement les moyens de ses ambitions? Ça, c'est un autre débat. Je ne pense pas. Enfin, c'est ma conviction profonde. S'il faut le regretter peut-être, mais en tout cas le constat est là, la France, on peut énoncer de grands mots, on peut donner des titres pompeux à une stratégie, c'est pas pour autant qu'elle va s'appliquer, la parole politique n'est pas une parole performative, hein. C'est pas parce qu'on dit des choses qu'elles vont se produire. On l'a vu avec l'épisode des sous-marins australiens. À un moment donné, les Australiens ils sont rendus à l'évidence que la vraie grande puissance dans le Pacifique, c'est les États-Unis. Et donc, ils ont conclu avec les États-Unis, tout simplement. Est-ce qu'on a moins à craindre des États-Unis que la Chine? C'est un pays auquel on est plus habitué, on les perçoit, on a une bonne image des États-Unis, surtout ici, chez nous, on a une culture... American culture. Voilà, une culture américaine qui est bien installée, qui date des GIs, qui date aussi qui vient avec la culture, les westerns, les films, tout ça, on a une culture bien américanisée. Donc on a une bonne perception des États-Unis. On ne peut plus oublier que ce n'est pas des oies blanches, qu'ils ont été derrière des dictatures complètement horribles, qu'ils ont installé des despotes, qu'ils ont fait tuer des démocrates. Enfin, voilà, c'est les États-Unis. Je crois que c'est De Gaulle qui disait en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Donc on est dans ce monde-là aujourd'hui, et c'est là que le vrai challenge. Hein, moi, quand on me dit, tu disais tout à l'heure que, et c'est vrai, la plupart des autonomistes nous opposent l'argument économique, de dire quand on va être indépendant on va mourir de faim ou on va mourir tout court parce que s'il n'y a pas l'argent de la France on va mourir. Pour moi la vraie question c'est pas celle-là. L'équation économique elle n'est pas si compliquée que ça à résoudre. On est, parce que justement on n'est pas la Chine, on n'a pas 1,4 milliard de bouches à nourrir, on a Montpellier, grosso modo, en population à nourrir. Donc l'équation économique, c'est pas là qu'est la difficulté. La difficulté, là, il faudra qu'on soit attentif, c'est la géopolitique. C'est justement ces relations, ces interdépendances, ces partenariats qu'on va nouer nécessairement. Et donc comment on va faire en sorte que tout ça s'équilibre, qu'on soit défendu, que notre ZE soit protégé, que notre monnaie puisse être garantie. Toutes ces questions-là, c'est des questions géopolitiques. Et c'est aussi toutes ces questions-là auxquelles il faut avoir des éléments de réponse avant le jour J, c'est-à-dire avant le jour du référendum. Il ne faut pas attendre le lendemain du référendum pour se poser ces questions-là. Il faut déjà eu ces discussions, aussi bien avec la France qu'avec la Chine, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous les pays qui nous entourent et avec lesquels on peut être partenaire demain. Il faut aussi peut-être aussi démystifier quelque chose, c'est-à-dire qu'on nous oppose aussi cet argument-là qui amalgame finalement la politique et l'économie. Non, il faut démystifier cette chose. Nous nous situons sur un combat pour une indépendance politique. De l'autre côté, il n'y a pas d'indépendance économique. Ça n'existe pas, l'indépendance économique. Il y a des interdépendances économiques. Il faut marchander avec le monde entier. Mais nous, au Tabini Guiratila, nous militons pour retrouver une indépendance politique. Et quand nous aurons cette indépendance politique, nous aurons les clés pour pouvoir justement choisir nos partenaires économiques, puisque l'économie, ce sont des économies d'interdépendance. Dire que les indépendantistes vont se refermer sur eux et qu'ils ne vont plus échanger avec personne, c'est totalement faux. Nous voulons
l'indépendance politique pour retrouver les clés de décisionnel pour pouvoir décider avec qui nous voulons échanger plus tard. Le monde économique ne changera pas. Les gens qui font de l'argent, les grands patrons, eux, leur objectif, c'est de faire de l'argent, c'est de faire du commerce, c'est pas de faire de la politique. Qui sait faire de la politique avec des indépendantistes ou des autonomistes, l'objectif des gens qui sont dans le business, c'est faire de l'argent. Donc, ben, nous, nous disons tout simplement, retrouvons les clés pour pouvoir, nous, en tant que peuple maori, décider avec qui nous voulons échanger de manière intelligente. Surtout le combat indépendantiste, on le voit, a toujours été un combat qui a été mené avec nos autres frères et sœurs du Pacifique. Finalement, le Tavernier Attila s'est toujours inscrit dans une forme de relation à l'international, géopolitique, parce qu'il y a eu des relations à la fois avec nos amis du Pacifique, mais aussi avec nos amis corses, basques, bretons. Et on s'est toujours inscrit dans un objectif de pouvoir travailler avec l'extérieur. Et c'est ce canal entre Paris et Papeete qui nous bloque, qui ne permet pas de pouvoir échanger avec l'extérieur. Et pour ce qui est de cet axe Indo-Pacifique, comme Mouetei l'a précisé, il faut savoir où est l'intérêt de la Polynésie. Pas l'intérêt de la France, ni l'intérêt de la Chine ou des États-Unis, mais l'intérêt de la Polynésie. Et si l'intérêt de la Polynésie, c'est plutôt travailler avec les États-Unis et l'Europe plutôt qu'avec la Chine, alors ça sera celle-là. Si l'intérêt, c'est plutôt travailler avec le Japon et l'Australie, ce sera une autre. Nous, au Tavernier Attila, on s'inscrit plus dans le Pacific Way, c'est-à-dire une vision plutôt océanienne, parce que là, on se rend compte que les États du Pacifique sont un peu mis de côté face à ces grandes puissances. Et je pense que nous devons nous regrouper pour nos intérêts communs de développement dans cet océan qui nous appartient et qui fait que nous sommes ensemble et que nous avons une histoire commune. Ça nous amène aussi à préciser quelque part la vision du modèle d'indépendance qui est celle de Tavernier. Comme tu le disais fort justement, il ne s'agit pas de reproduire le jacobinisme dont on se plaint à l'échelle de la Polynésie indépendante. Donc, notre projet de constitution pour une Polynésie indépendante, pour un Maori Nui indépendant, c'est ce qu'on a appelé Te Hau Amui no Maori Nui. C'est un modèle fédéral, parce que chaque archipel a sa personnalité, a sa culture, a sa langue. Et aujourd'hui, dès lors qu'on s'éloigne de Tahiti, hein, les Marquisiens vous disent oh, on est fiou que Tahiti décide pour nous, et pour nous tout pareil, les Raromontains, enfin voilà, tous les archipels lémanais, on en a un peu marre de ce centralisme tahitien que tu évoquais tout à l'heure. Donc nous, c'est notre vision des choses, notre vision du modèle constitutionnel, c'est Te Hau Amui no Maunui, une république fédérale où chaque archipel sera un État fédéré, avec donc cet État fédéral qui chapeauterait le tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le concept d'État associé. Et là, il faut être précis. Il faut d'abord être souverain avant de pouvoir s'associer. Hein. Il faut mettre les choses dans l'ordre. Pourquoi un État associé? Parce que sur l'ensemble des compétences qui sont celles d'un État souverain, il y en a qu'on va pouvoir exercer par nous-mêmes, mais il y en a pour lesquels on n'a pas forcément ni les moyens, ni l'envie même de les exercer par nos seuls moyens. Je vais prendre trois exemples. Je vais prendre la justice, je vais prendre la défense, et puis je vais prendre la protection de la ZEE. Et je vais les aborder dans le sens inverse. Protection de la ZEE, 5 millions de kilomètres carrés, c'est pas en pirogue qu'on va pouvoir les protéger. Alors, il y a des moyens modernes qu'on peut utiliser, comme les drones, les essaims de drones, etc. Mais il faut quand même des navires, il faut une présence physique. Aujourd'hui, enfin, si demain on devient indépendant, avec qui s'associer pour la protection de la ZEE? Pas avec la France. La France n'a plus de moyens maritimes dans le Pacifique, elle n'en a plus vraiment. Les deux seules nations qui ont des moyens maritimes dans notre zone géographique, c'est soit l'Australie, soit les États-Unis. Donc, pour la protection de la ZEE, on s'associerait avec soit l'Australie, soit les États-Unis. Là, il faut avoir ces discussions pour voir qui est prêt à le faire. Maintenant, je vais prendre la défense. Est-ce qu'on a besoin d'une armée? Non. Une armée, ça coûte cher. Et puis, c'est aussi l'affirmation d'un esprit guerrier un peu offensif qui n'est pas le nôtre.
On n'a pas besoin d'une armée, mais on a besoin d'être défendu. On revient sur l'exemple de Ravo III. Ravo III n'a pas d'armée, mais est défendu par l'armée néo-zélandaise, puisqu'ils sont associés avec la Nouvelle-Zélande. Je prends maintenant la justice. La loi française, tous ceux qui, tous les constitutionnalistes, tous les spécialistes du droit qui étudient le droit appliqué à la Polynésie, vous diront que le droit français n'est pas adapté aux Polynésiens. On le voit avec le problème foncier, on le voit avec d'autres soucis. Je prends l'exemple précis des PPR, des plans de prévention des risques. Si on applique aujourd'hui les PPR en Polynésie, on peut construire quasiment nulle part. Maupiti, si vous êtes en bord de littoral, c'est le risque de submersion. Dès lors que vous allez vers le Mato, c'est le risque de vous prendre des cailloux. Donc vous pouvez construire nulle part. Bon. En droit français, on ne peut pas signer une décharge pour dire « je m'en fous, je veux quand même construire sur mon terrain, et s'il m'arrive un pépin, ben ce sera pour ma pomme, je ne porterai pas plainte contre le gouvernement ». En droit français, c'est impossible. Mmh. Ben vous allez à Hawaï, vous allez dans les autres pays du Pacifique, ceux qui ont un droit anglophone, on peut faire ça. On peut dire ben « non, écoutez, moi j'ai pas d'autre terrain, donc je veux construire là, mais je signe une décharge ». Dans le droit anglophone, anglo-saxon, ça existe. Donc, pour la justice, moi instinctivement, ben, je ferai un peu comme les Ravotois. Je demanderai aux Néo-Zélandais, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. À Ravotois, la justice est rendue par des juges néo-zélandais, mais selon le droit Ravotois. Voilà. Alors, Métaille, Steve nous a parlé de ces trois mesures phares s'il devenait député. Qu'en est-il de toi pour cette deuxième mandature? Alors, moi, j'ai une première mesure qui est symbolique. J'ai 5 ans maintenant d'expérience à l'Assemblée nationale, dans les jardins de l'Assemblée, il y a une statue une statue de Montesquieu, il y a plusieurs statues, et j'aurais bien envie qu'il y ait un jour une statue de Paul Alain Roupa, quelque part dans l'Assemblée nationale. Il faut se rappeler qu'il a été député, il faut se rappeler aussi qu'il a été condamné, alors que son immunité parlementaire n'avait même pas été levée, et que c'est donc une grande victime de l'histoire pour nous. C'est un héros national. Et bon, voilà, s'il y avait une première mesure symbolique, ce serait de faire ériger une statue, il n'y a pas besoin qu'elle soit monumentale, mais quelque part à l'Assemblée nationale, pour rappeler, pour Alain Roupa, rappeler ce qui lui a été fait. Parce que ce qui lui a été fait, ça a été fait au plus petit et à tous les Polynésiens. Ensuite, au niveau des propositions de loi, je remonterai au créneau, évidemment, avec ma proposition de loi sur l'inéligibilité à vie des élus corrompus, parce que je pense que c'est un élément important. C'est un élément qui a décrédibilisé le politique, chez nous comme ailleurs, mais particulièrement chez nous. Il faut revenir à ces éléments de probité. Et puis, il y a ces 100 milliards que l'État nous doit, donc ils sont inscrits dans ma proposition de loi sur le nucléaire, donc on va reprendre cette proposition de loi. Parce que ces 100 milliards, on va dire, au plan global, c'est une proposition de loi qui est importante, parce que le fait nucléaire est un fait important et grave chez nous. Et à l'intérieur de cette proposition de loi, cette capacité qui nous est offerte de récupérer ces 100 milliards que l'État nous doit, ça peut changer au quotidien la vie des Polynésiens, puisque si on avait ces 100 milliards, on n'aurait pas besoin de TVA sociale, et on n'aura pas besoin demain de faire de nouvelles taxes pour venir remplir le FRPH pour maintenir le prix des hydrocarbures. Voilà. Merci Moutey. Demat, hey, quant à toi, tu es le benjamin de ces législatives. Si tu étais élu demain, quelles seraient tes trois mesures phares? Alors il y a une mesure qui est en fonction de la situation actuelle. Il y a aujourd'hui une sorte de on est tous d'accord sur le fait de protéger l'emploi pour les Polynésiens. D'ailleurs, que ce soit le Tapora Huiratira, comme nous voulons mettre en place une citoyenneté polynésienne maori pour protéger l'emploi et le foncier. Alors, on sait que cette citoyenneté, elle va être obtenue grâce à une réforme constitutionnelle. Dès lors, nous aurons un titre dans la Constitution. Et on le sait, une réforme constitutionnelle, c'est très lourd, c'est très long. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver dans l'immédiat. Mais ce qu'on pourrait faire pour protéger l'emploi, et surtout pour faire en sorte que tous les Polynésiennes et les Polynésiens qui sont engagés en tant que fonctionnaires d'État puissent rentrer dans leur pays, nous allons proposer un moratoire sur toutes les affectations de fonctionnaires qui viendraient de métropole
en Polynésie. Ça nous permettrait donc d'identifier tous les postes où on a beaucoup ou moins de Polynésiens qui sont dans ces secteurs-là, ramener évidemment tous les Polynésiens et les Polynésiens qui sont en France et qui peuvent être en capacité, qui ont les qualifications de pouvoir être sur ces postes. Et là où on a moins d'effectifs, ça nous permettrait de mettre en place des bourses qu'il y a actuellement, des bourses majorées, pour pouvoir faciliter, augmenter le nombre de Polynésiens pour qu'ils puissent avoir les qualifications nécessaires pour être à ces postes-là. Et ensuite, donc quand on parle de la formation pour pouvoir répondre à ce besoin de main-d'œuvre, ce que je proposerai avec le programme de NUPES, c'est une revalorisation de la bourse. En fait, c'est un revenu d'autonomie à hauteur de 130 000 francs. Donc il faut amender le budget de l'éducation pour permettre cette augmentation de la bourse, notamment en faveur des Polynésiennes et des Polynésiens, pour que dès la rentrée prochaine, en tout cas ce serait l'idéal, tous les étudiants et les lycéens en professionnel puissent avoir accès à ce revenu d'autonomie, parce qu'ils ne doivent pas chercher à travailler pour savoir comment manger, comment se vêtir, comment se soigner. Ils doivent penser qu'à leurs études et à tout ce qu'ils peuvent avoir pendant cette période estudiantine. Alors justement, en parlant des étudiants, tu es toi-même étudiant dans une haute école de sciences sociales à Paris. Tu as été aussi, il me semble, président de l'IPF Paris. Quelles sont les difficultés rencontrées par les Polynésiens qui se trouvent à l'étranger, enfin en France, du coup ? Le plus gros problème, finalement, c'est comme le problème qu'il y a dans notre pays. Les deux plus grosses dépenses d'un ménage, que ce soit en Polynésie comme un étudiant en France, c'est le logement et le transport. Et c'est le même, c'est aussi dans les ménages polynésiens, c'est le plus gros coût dans un ménage polynésien. C'est le transport et le logement. De ce fait, lorsque j'étais président de l'association des étudiants de Polynésie française à Paris, on a essayé d'obtenir des places à la Cité universitaire internationale à Paris pour les Polynésiens, au même titre que la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, pour exemple, depuis 10 ans, ont des places à la Cité universitaire, 60 places par an, avec des prix au logement peu chers, 500 euros ou 600 euros, quelque chose comme ça. On peut rajouter l'aide au logement de la CAF, donc ça baisse encore le prix du logement. Mais ils ont réussi à avoir ces places à la Cité universitaire grâce à un investissement de la part du gouvernement calédonien, de la part de la Nouvelle-Calédonie, où c'est à la collectivité calédonienne de payer, de réserver ces places à la Cité universitaire qui est privée. Donc nous avons fait ce travail avec le député Moïtaï Roderson. Donc je n'étais pas encore engagé en politique, j'étais encore dans le tissu associatif. Et on a essayé de trouver une solution. Le cabinet du député a rencontré le directeur de la Cité universitaire. Malheureusement, encore une fois, par manque de volonté politique, le dossier est arrivé sur la table de la ministre de l'Éducation. Et aujourd'hui, on n'a pas de retour de ce dossier, alors que ça fait des années que les élus politiques qui sont au pouvoir dans notre pays sont sensibilisés sur le sujet, sur le problème du logement. Ça fait 60 ans qu'on envoie des étudiants en France. Edouard Fritsch a été étudiant à Paris. Quasiment tout le gouvernement a été étudiant en France, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris. Ils savent ce que c'est que le problème de logement et pourtant, il n'y a pas eu un travail approfondi sur cette problématique quand on voit le travail qui est fait en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Ça, c'est le plus gros. Pour moi, la plus grosse dépense et le plus gros travail qu'il faudrait faire, c'est celui-là. Mais on peut transformer, enfin on peut complètement supprimer cette problématique en augmentant les filières dans notre pays. Si on augmente les filières dans notre pays, ça va répondre à ce souci économique et à ce souci d'éloignement avec la filière. Et en plus, à l'adaptation des filières en fonction de nos réalités. Mais comme on le voit, comme on l'a dit pendant toute cette interview,
Au Tavinihuir Attila, nous ne sommes pas renfermés sur nous-mêmes. Si nous voulons augmenter le nombre de filières en Polynésie, c'est pour que ce soit plus accessible à tous les Polynésiens et pas uniquement à ceux qui ont de l'argent, parce qu'on se rend compte qu'aller faire ses études en France, ça coûte beaucoup d'argent. Et de plus en plus aujourd'hui, les banques ont peur d'investir sur des jeunes issus de familles défavorisées. Et la bourse ne suffit pas. Donc on veut augmenter les filières en Polynésie, mais on veut mettre en place des accords régionaux, style Erasmus, avec d'autres universités, que ce soit du Pacifique, d'Europe, d'Asie, en fonction de là où ce sont les meilleures filières. Par exemple, si nous voulons avoir des personnes, des pointures en droit, peut-être qu'on va les envoyer, si on veut un système fédéral, peut-être qu'on va les envoyer aux États-Unis plutôt que de les envoyer dans des pays où c'est jacobin comme en France, par exemple. Et on pourra se spécialiser, si on veut avoir des médecins spécialistes, peut-être qu'on va faire un accord de coopération avec Cuba, un accord universitaire avec Cuba, par exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons de cette compétence de l'enseignement supérieur. Alors Steve, tu es donc anthropologue de formation, un intellectuel, un érudit. La question de l'identité et de la langue te sont chères. Selon toi, faut-il savoir parler de l'histoire et de ses conséquences pour rétablir la justice et construire une société plus équitable et plus équilibrée ? Absolument, absolument. Quand on parle de colonisation, bien sûr que quand on parle de colonisation, il y a l'aspect politique, c'est sûr. Mais derrière l'aspect politique, il y a l'aspect sociétal. Pour que la colonisation puisse fonctionner, puisse s'implanter dans un territoire donné, il faut bien que, au niveau sociétal, il faut qu'il y ait des modifications sociétaux. Et notamment, ça passe par, notamment, l'école de la République française qui a été instaurée dans notre pays. Dans cette école-là, effectivement, on nous enseigne effectivement des savoirs dits universels, ce qui est très bien, il faut garder ça. Sauf que, dans cette école-là, et dans cette entreprise coloniale, on a remplacé finalement le savoir traditionnel par un savoir exogène. On a remplacé l'histoire autochtone par une histoire exogène. On a remplacé nos langues vernaculaires par des langues exogènes, etc., etc. Ce qui fait que finalement, on a créé toute une génération, plusieurs générations de Polynésiennes et de Polynésiens qui sont finalement déracinés d'eux-mêmes, qui sont finalement, qui ne connaissent pas leur histoire, et donc quand on ne connaît pas son histoire, on n'a pas la maîtrise de son présent, et surtout on n'a pas la maîtrise de son futur. Et donc c'est ça, encore une fois, le combat du Tavinihuir Attila, au-delà même de l'aspect purement politique, c'est la réhabilitation de nos mémoires, la mémoire de nos ancêtres, la mémoire collective, et pas une mémoire sur un temps court, mais la mémoire sur le temps long. L'histoire, c'est les fondamentaux. Or, dans notre pays, on a créé des générations et des générations de Polynésiens qui sont ignorants de leur propre histoire. On sait tous très bien, nos ancêtres, les Gaulois, etc., etc. Bon, à un moment donné, ça suffit. Il faut être sérieux à un moment donné que notre pays, et je le rappelle encore, nous sommes une civilisation millénaire. Il y a de quoi dire sur cette civilisation millénaire. Nous avons été les précurseurs dans le domaine de la navigation maritime. Nous avons été les précurseurs dans le domaine de la lecture des cartes célestes. Et donc tout ça, ça constitue un savoir qui est extraordinairement important. On pense souvent que les Polynésiens n'ont pas vraiment eu de scientifiques, d'ingénieurs. Bien évidemment que nos ancêtres étaient des ingénieurs, étaient des scientifiques, etc. Quand nos premiers, au niveau du peuplement du Pacifique, quand nos premiers ancêtres sont arrivés sur cette île qu'on appelle Tahiti et les autres îles, est-ce qu'on croit qu'il y avait tous les arbres à pain, tous les tumourous, tous les cocotiers? Non, il n'y avait rien du tout. Il a fallu amener déjà toutes ces plantes chez nous, mais plus encore, et ça démontre bien le génie de notre peuple, de notre civilisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près peu ou prou 40 espèces de hourous chez nous. Ces 40 espèces de hourous-là, c'est le fruit du génie de nos ancêtres. Parce que le hourou originel, primitif, c'est un fruit qui a très peu de chair, mais énormément de graines. Et donc, grâce à la science et au savoir de nos ancêtres, ils ont su, par du marcottage, par du mariage, créer différentes espèces de hourou qui, finalement, aujourd'hui, on a un hourou avec beaucoup de chair et quasiment, voire pas du tout de graines. Ça, c'est pour le hourou. Mais c'est la même chose pour le tarot. Le tarot, il faut savoir que le tarot, à la base, c'est une plante toxique.
Et encore une fois, par le génie de nos ancêtres, par le marcottage, etc., on a réussi à créer toutes sortes d'espèces de tarots comestibles pour la population. Donc il faut arrêter aussi ce fantasme de dire que les Polynésiens vivaient dans le Pohiri à l'époque et que c'était grâce à la colonisation, grâce à l'arrivée de la France civilisatrice qu'on a pu avoir de la lumière dans nos cerveaux. Non, non, non. La lumière était déjà dans nos cerveaux bien avant l'arrivée des navigateurs occidentaux. Merci beaucoup, Steve. Alors, pour revenir à toi, Moïté, durant ton mandat, tu as fait beaucoup de voyages dans les îles pour aller parler économie, politique, avec des habitants souvent délaissés par la classe politique dirigeante. Souvent, parler de décolonisation et d'indépendance peut faire peur ou provoquer le malaise de certains citoyens. Pourquoi, selon toi ? Ah ben, la tâche première du colonisateur, c'est d'instaurer dans l'esprit du colonisé justement cette peur d'être abandonné par son bienfaiteur. Et l'éducation est un des moyens les plus sûrs d'y arriver. La religion peut être aussi un moyen d'y arriver. Donc, chez nous, c'est un peu paradoxal, puisque si on prend par exemple la religion protestante, c'est aussi celle qui a permis la sauvegarde de nos langues. Qui est fer de lance maintenant. Qui est aujourd'hui fer de lance de cette espèce de renouveau culturel, renouveau identitaire. Ils sont vraiment. Il y a eu un revirement quelque part d'un outil qui au départ pouvait être un outil de colonisation des esprits en tout cas. Mais je vais revenir sur ta question. Le soir de mon élection en 2017, j'ai un vieux militant Tavigny qui est venu me serrer dans ses bras. Il était content qu'on ait enfin un député. Et puis il m'a dit, mais attention, fais pas comme les autres, parce que n'attends pas 5 ans avant de revenir nous voir, juste avant les prochaines élections. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, ouais, tiens, c'est vrai, ça, c'est souvent ce qui se passe. On est élu, on disparaît, on fait le job, on va dire, mais on revient à voir les gens, la population uniquement aux prochaines échéances électorales. Donc je me suis dit, il faut pas faire ça, il faut essayer de retourner voir le peuple. Alors, on fait traditionnellement une tournée de remerciements après les élections, on retourne voir les électeurs de sa circonscription pour les remercier, ça c'est une chose. Mais je me suis dit, les Polynésiens, il ne faut pas simplement aller les voir pour discuter de sujets politiciens ou de sujets électoralistes. Il faut aller les voir pour discuter de sujets de société, de problèmes de fond, de sujets de fond. Et j'ai entrepris donc une première tournée parlementaire en 2019. Alors l'idée était aussi de les faire en dehors de tout contexte électoral, justement. Il ne fallait pas qu'il y ait d'élection ces années-là. J'ai choisi comme thème les institutions de la République et notre place dans ces institutions. Oui, un sujet un peu compliqué, un peu abstrait, aux antipodes des phares et aux péages, des CAE et des cartons de poulet. Et j'avoue que j'ai eu un doute. Avant de commencer cette tournée, je me suis dit, ils vont me voir débarquer avec ce sujet-là, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu viens de parler de ça, on n'y comprend rien. Parce qu'en plus, il faut le faire en Rio Tahiti, évidemment. Hein. Sortie de Tahiti, voilà. Heureusement, on va dire encore, ça parle nos langues. Et là, je me suis aperçu que c'était pas du tout le cas, qu'il y avait une attente et que les gens étaient contents de nous voir, qu'ils étaient contents. Ils me l'ont dit eux-mêmes. Ils m'ont dit, c'est la première fois depuis toujours qu'on vient solliciter non pas notre vote, mais notre intelligence. Et ils étaient contents qu'on vienne discuter de sujets de fond avec eux. Steve m'a accompagné sur une partie de ses tournées, mes autres collaborateurs également, et je pense qu'on a tous constaté cette satisfaction des Polynésiens de pouvoir discuter avec leurs élus et puis de nous dire aussi ce qu'ils pensent sur des sujets où on est parfois tenté de se dire qu'on détient, nous, élus, la vérité. Ben non, on se rend compte que l'intelligence, elle est partout, et qu'au contraire, on aurait intérêt à aller écouter cette intelligence dans le peuple. On a voulu réitérer évidemment l'opération 2020. Oups, il y a eu un pangolin qui est passé par là. Donc on n'a pas eu la possibilité de le faire. En 2021, on l'a refait. Là, on avait comme thème les fondamentaux de l'économie polynésienne et les facteurs exogènes. Donc là encore, un sujet un peu compliqué. Et là encore, un engouement partout où on est passé, des questions vraiment intelligentes, pertinentes, et puis une attente.
Et je pense que c'est une opération qu'on va réitérer cette fois-ci à trois. Quand on sera élu, on va faire des tournées parlementaires, peut-être ensemble, peut-être chacun sur sa circo. On va étudier la question de manière à être le plus efficace possible. Mais il faut retourner voir les Polynésiens, il ne faut pas simplement retourner les voir avant les élections. Super. Alors Temat, pour revenir sur la question de l'identité qu'on a beaucoup traitée aujourd'hui, on entend beaucoup parler de construire une citoyenneté polynésienne, une citoyenneté maori. Selon toi, quelles seraient les valeurs, les bases de cette citoyenneté maori? Et quelle différence avec la citoyenneté polynésienne? Alors d'abord, la citoyenneté, elle parle d'un objectif de répondre à un besoin qui est aujourd'hui de protéger l'emploi et le foncier. Protéger l'emploi face à une sorte de migration institutionnalisée qui existait déjà au final, mais en fait en même temps que le mouvement indépendantiste reprend de la place dans notre pays, on a des Polynésiennes et des Polynésiens qui se rendent compte de la situation actuelle où des Polynésiens font de plus en plus d'études, ont de plus en plus de diplômes, mais ils ne sont pas prioritaires dans leur pays. Et il y en a certains, donc l'affaire des policiers de la police nationale, qui passent des concours nationaux, qui vont en formation en France et qui ne sont pas prioritaires pour le retour en Polynésie. Donc là, c'est la question de la protection de l'emploi. Et on a un statut à qui on dit que c'est le meilleur statut du monde, à qui on dit qu'il a les capacités juridiques de protéger l'emploi. On le voit avec la loi qui a été votée en 2019, qu'elle n'a pas servi à grand chose. On nous dit qu'elle n'est pas encore, elle n'est pas encore mise en place, mais quand à côté on propose une nouvelle loi, ça veut dire que cette loi, de toute façon, votée par l'Assemblée de Polynésie, ne fonctionnera pas. Ensuite, on a le problème du foncier. Aujourd'hui, il y a une inflation sur le foncier. Alors on accuse les Polynésiens de vendre leurs terres et c'est d'abord leur faute parce qu'ils vendent leurs terres parce qu'ils veulent cet appât du gain. Moi je dis que il y a des profiteurs de situations de précarité et il y a beaucoup aujourd'hui de Polynésiens qui sont grands propriétaires terriens, qui n'ont pas de travail, qui ne savent pas quoi faire et qui sont pratiquement obligés de vendre des terres, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une volonté nationale, une volonté politique de la part de nos responsables politiques de dire à notre peuple, ce n'est pas la solution. Au contraire, on facilite l'indivision, on facilite la sortie de l'indivision, on donne des outils pour que tout le monde puisse sortir de l'indivision, chacun se débrouille, on est tombé dans une société individualiste. Et si les Polynésiens vendent leurs terres, c'est pas grave. Au pire, on leur propose un lotissement social. Et donc, face à cette situation, il y a un moyen, un outil législatif qui existe en Nouvelle-Calédonie depuis 20 ans. C'est une citoyenneté. La citoyenneté calédonienne, elle a certains aspects. Ça ne protège pas totalement en Nouvelle-Calédonie, mais c'est quelque chose qui existe au sein de la République et que nous pouvons mettre en place dès maintenant, tant que nous sommes dans la République. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons cette citoyenneté maori. Maintenant, pourquoi maori plutôt que polynésien? Parce qu'on veut faire de cet outil, pas qu'un outil économique de protection de l'emploi et du foncier, mais aussi un outil d'identification culturelle, pour qu'on puisse récupérer ces outils d'identification. Notre ami Steve parlait de l'importance de la langue et de la reconnaissance dans la constitution de nous en tant que peuple, ça passe aussi par là. Le fait que nous soyons citoyens maori, reconnus en tant que tels, reconnus en tant que peuple dans la constitution, ça nous permet de rendre officielles nos langues maori et un moyen de retrouver cet outil d'identification. Et encore une fois, il est là le symbole de la différence entre nos amis du Tapura et nous au Tavini, c'est qu'on ne s'arrête pas qu'à des mesures économiques. On défend aussi cette citoyenneté avec des outils culturels parce que c'est un outil de décolonisation. Et c'est encore une fois quelque chose qui nous différencie avec le Tapura Huigatira, c'est qu'eux pensent qu'ils peuvent avoir la citoyenneté polynésienne
en restant très très ancré dans la France, en se servant de l'exemple calédonien, et nous on leur dit que non, malheureusement pour eux, cet outil qu'est la citoyenneté calédonienne en Nouvelle-Calédonie, c'est un outil de décolonisation, c'est pour permettre la construction d'un peuple commun, pour mettre en place une discrimination positive pour le peuple premier de ce pays, pour développer ce territoire. Dans cette citoyenneté maori, on veut aussi geler le corps électoral. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la construction d'un peuple commun et d'un pays à décoloniser. Nous avons vu les travers de la colonisation, ce qui s'est fait en Algérie, ce qui s'est fait en Nouvelle-Calédonie, avec cette colonisation de peuplement. Nous ne pouvons pas nous permettre, ici à Maori Nui, en tout cas tant que nous ne sommes pas indépendants, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir ce type de colonisation. Donc il nous faut geler le corps électoral, c'est aux personnes, aux Maori qui souhaitent vivre ici, qu'on soit de souche, de cœur, d'adoption, de décider de l'avenir institutionnel de ce pays et des relations que ce pays doit avoir avec la France et avec les autres pays. Moi je rappelle que le Polynésien a un lien sacré avec la terre. Il y a un acte qui peut être représentatif de ce lien sacré qu'on a avec la terre, c'est lorsqu'un enfant naît, on plante notre placenta dans la terre pour matérialiser ce rapport sacré qu'on a avec notre terre. Aussi, avoir cette citoyenneté maori, elle permet aussi de retrouver cette dignité en tant qu'individu. Dans la Constitution française, il est dit que tout Français doit avoir un travail, ou la France doit tout faire pour que le Français doit avoir un travail. Mais dans tous les peuples du monde, toutes les sociétés du monde, quelle que soit la civilisation, quelle que soit la période de l'histoire, vivre en communauté, c'est participer à l'effort collectif. Et lorsqu'on protège l'emploi et qu'on dit à ce peuple, faites des études, faites des formations, allez vous former, on protège cet emploi pour vous et pas pour des personnes extérieures à notre société, c'est aussi leur donner cette dignité de se dire qu'on croit en vous, qu'on croit que vous allez réussir à développer cette société. C'est là aussi l'importance de cette citoyenneté, qu'on puisse redonner cette dignité en tant que personne aux Polynésiens et leur redonner confiance en eux et qu'eux puissent avoir confiance en leur pays. Peut-être un petit mot par rapport aux termes qui sont utilisés, parce qu'on entend tantôt Polynésien, on entend tantôt Maori. Je pense qu'il faut recadrer tout ça. Alors, ce que je vais dire là, c'est d'un point de vue purement anthropologique, hein, parce que je comprends bien qu'il faut justement en discuter, il faut discuter de ces termes-là, il faut les définir d'un point de vue politique, d'un point de vue social, et il faut discuter avec tout le monde, surtout nous, entre nous, on ne peut pas tout faire avancer. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que d'un point de vue purement anthropologique, il y a une différence fondamentale entre ce qu'on appelle ici en Polynésie française les Polynésiens et les Maori. Les Maori, le terme Maori, c'est un ethnonyme exclusif. Comme je l'expliquais tantôt, un Maori, celui qui peut se prévaloir d'un lien de filiation qui le relie à la terre de par sa mère ou de par son père, donc avec la variable du métissage à l'intérieur. Donc c'est un ethnonyme exclusif. Alors que l'ethnonyme polynésien utilisé ici en Polynésie française, c'est un ethnonyme qui est ouvert à tous, parce qu'il faut savoir que notre pays qu'on appelle aujourd'hui la Polynésie française se nomme la Polynésie française depuis 1957. Et avant 1957, nous étions appelés les établissements français d'Océanie. Donc, en 1957, nous sommes devenus ce qu'on appelle la Polynésie française, et donc tout naturellement, on a appelé les habitants de ce territoire qu'on appelle Polynésie française les Polynésiens. Alors que normalement, moi par exemple, j'ai habité à Hawaï, j'ai habité en Nouvelle-Zélande, celles et ceux qui se disent Polynésien, ce sont des Polynésiens au sens ethnique du terme. Ce sont des Samoans, ce sont des Maoris, des Hawaïens, des Tahitiens. Alors que chez nous, on a un petit peu galvaudé le terme Polynésien. Aujourd'hui, Polynésien veut dire habitant de la Polynésie française, qu'il y ait un lien de filiation qui le relie à la terre
ou pas. C'est le tout venant, ce sont les gens qui habitent chez nous. Donc là, c'est le discours, si tu veux, anthropologique. Mais pour le conjuguer dans un discours politique, il faut en discuter, il faut qu'on soit avec des partenaires pour justement définir les périmètres de ces concepts qui peuvent paraître un petit peu flous pour les non-initiés. Hein? Mais c'est vrai qu'il faut en discuter, il faut peser le pour et le contre, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de se placer dans une position inclusive. On construit un pays ensemble, on construit un pays tous ensemble, et on ne construit pas une nation à l'encontre des autres, tournée à l'encontre des autres. Ça, c'est une hérésie. Alors Steve, du coup, je vais revenir sur toi. On a bien compris, le Tabinihui Latila est un parti inclusif, progressiste, démocratique. Est-ce que ça a été facile de s'intégrer à un parti dont la moyenne d'âge est le double, voire le triple du vôtre? Disons que ce n'est jamais facile de rentrer dans une famille politique, quelle qu'elle soit, parce qu'on a toujours ce réflexe clanique. Hein, et ça, que ce soit dans le Tabinihui Latila ou dans les autres partis politiques, il y a toujours un réflexe clanique. La particularité du Tabinihui Latila, c'est qu'effectivement, que pour y entrer, ben, les gens, ils veulent savoir, ils veulent sonder tes convictions, parce que nous sommes un parti politique de conviction, encore je le rappelle. Quand on est autonomiste, la philosophie qui sous-tend l'autonomie, c'est celle que je disais tantôt, ce n'est ni plus ni moins qu'une opération comptable, un virement bancaire. Donc la philosophie, elle est un petit peu, comment dire, un peu légère, on va dire ça comme ça. Alors que quand on est dans un mouvement souverainiste, et en particulier dans le mouvement Tabinihui Latila, avec 40 ans d'histoire et de lutte derrière, bien évidemment que nos aînés sont là aussi pour sonder nos convictions. Et il faut passer par ces étapes, je vais dire, initiatiques, où on est sondé par rapport à nos convictions, parce que là aussi, on a vu beaucoup de personnes venir, et puis s'en aller, puis venir, s'en aller. Mais nous, au Tabinihui Latila, on ne veut pas marchander avec notre objectif qui est celui de la pleine souveraineté. Non, le droit international définit, ben, l'indépendance est un droit imprescriptible et inaliénable. Donc c'est quelque chose de sérieux pour nous et on ne veut pas marchander sur ça, on ne veut pas transformer l'indépendance en une espèce d'appât politique. Non, 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 c'est sérieux et nous menons un travail sérieux depuis 40 ans, une lutte sérieuse depuis 40 ans et acharnée. Et aujourd'hui, on est satisfait parce que depuis le 17 mai 2013, quand bien même la majorité de notre population n'a toujours pas compris l'intérêt de cette réinscription, aujourd'hui, nous sommes réinscrits depuis 2013. Lorsqu'on regarde les mouvements qu'il y a dans les différents partis de notre pays, ou que ce soit dans d'autres partis, on peut prendre le cas de la France, des partis de gouvernement comme le Tahoerahui Ratira ou le Tapurahui Ratira, en fait, les mouvements d'individus qu'il y a à l'intérieur, finalement, c'est moins en fonction de la conviction, c'est plus en fonction du potentiel de voix qu'ils peuvent apporter, ou de nombre de mairies qu'ils peuvent accumuler pour pouvoir gagner les élections. On peut prendre l'exemple, par exemple, du Parti Socialiste, ou encore de l'UMP républicain LR, où l'objectif, c'est d'abord de gagner. Et ensuite, on peut faire des concessions sur le programme, sur les régions, sur le partage des mairies, etc. Et on retrouve des partis comme le Tabinihui Latila, où le plus important, c'est d'abord les convictions. Et donc, il y a une période d'essai, où on essaie de voir si tu as vraiment les convictions pour être au Tabinihui Latila. Et encore plus au Tabinihui Latila, quand... On a le Tabinihui Latila, c'est un parti de lutte. C'est un parti qui est né dans une période où il y a eu des essais nucléaires. C'est un parti anti-nucléaire, c'est un parti décolonial. Et donc, on ne peut pas se permettre de venir et comme un cheveu dans la soupe et dire voilà, je sais tout, je suis le sachant écoutez-moi. Il faut avoir ce retour des 40 ans, comme Steve disait, de ce qui s'est passé au sein du parti. Et on peut prendre l'exemple des partis comme le Parti communiste, qui était un très très grand parti à la fin de la guerre. C'était même le premier parti de France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, est un plus petit parti, mais c'est toujours un parti qui existe. Et surtout à l'échelle local. Pourquoi? Parce qu'il y a une base, il y a des militants qui ont des convictions. Aujourd'hui, il y a des grands partis qui dégringolent parce qu'il n'y a pas de conviction finalement. Et c'est la chance que le Tabinihui Latila a, c'est que, quelle que soit la réussite ou l'échec, il a toujours un noyau
qui ont des convictions et qui vont toujours faire vibrer la flamme du Tawhid Huiratira. Maintenant, le challenge du Tawhid Huiratira, c'est peut-être de mettre en place une plateforme sur cette base de conviction, mais pour devenir un parti de gouvernement, il faut être un parti majoritaire et il faut savoir aussi discuter avec toutes les sensibilités, évidemment pas se renier en tant qu'indépendantiste, mais il y a des sujets écologiques, sociaux, où nous pouvons discuter avec certains de nos collègues démocratiques, l'amélioration de la vie démocratique. Et là, le Tawhid Huiratira peut être cette base de cette nouvelle plateforme pour développer notre pays. D'ailleurs, pour rebondir très rapidement sur ce que Temat a dit, pour illustrer de manière locale ce qui se passe dans notre pays, aujourd'hui, à l'Assemblée de la Polynésie française, nous sommes redevenus Tawhid Huiratira depuis 2018. Avant 2018, nous étions une plateforme UPLD. Donc depuis 2018, nous sommes redevenus Tawhid Huiratira. Au sein de l'Assemblée de la Polynésie française, il n'y a qu'un seul groupe politique qui n'a pas chancelé du tout au niveau de ses élus. Nous n'avons perdu aucun élu de notre groupe. De 2018 jusqu'à aujourd'hui, demain, ça se termine le mandat, nous avons toujours 8 élus qui ne sont partis ailleurs, qui ne sont pas partis ailleurs, et nous sommes restés solidaires. Alors que les autres groupes politiques, soit ils ont disparu aujourd'hui, ou soit il y a eu des transfuges, etc. Il n'y a que le parti, le groupe Tawhid Huiratira à l'Assemblée, qui ont été élus à 8 en 2018 et qui sont restés encore jusqu'à aujourd'hui à 8 élus. Donc ça ne bouge pas parce que justement nous avons des élus qui sont profondément ancrés, non pas dans des marchandages politiques, non pas dans des postures politiciennes, mais qui sont ancrés dans leur histoire et qui sont ancrés dans leur idéologie qui est celle de conduire ce pays de manière démocratique et dans une vision inclusive vers notre pleine souveraineté. Merci beaucoup Steve. Alors, Moutet Roderson, nous arrivons à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un message pour les futurs électeurs, les Polynésiens? Quel message voudrais-tu leur délivrer? Je voudrais leur dire que depuis le temps qu'on parle de la jeunesse, depuis le temps qu'on nous dit que l'avenir appartient à la jeunesse, cette année, vous avez la possibilité de faire ce choix. Ce choix de faire confiance à la jeunesse. Vous avez ces deux tobeléas fantastiques que j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés. Bon, moi, je ne suis plus tout à fait jeune, je ne suis pas encore tout à fait vieux. Je suis juste à la moitié du chemin. Donc je vais m'inclure quand même dans la jeunesse. Donc vous avez ce choix de la jeunesse que vous pouvez faire. Et le choix d'une nouvelle vision de la politique aussi, parce que... On a vu ce qui s'est passé avec le Tapula Huiratira. Vous savez, au début de la mandature du Tapula Huiratira, il y a eu certaines personnes qui sont venues nous voir, nous, le Tawhid Huiratira, pour nous dire on ne peut pas les laisser 5 ans, là, il faut faire basculer, il faut revenir. Et Oscar Temaru, dont on reconnaîtra, je pense malheureusement trop tard, la sagesse, a dit à ce moment-là de manière très claire, non, nous avons souffert de l'instabilité de 2004 à 2013, nous avons vu les dégâts que ça a causé dans la société polynésienne, dans l'économie polynésienne, il est hors de question qu'on participe à ça, et on va le laisser gouverner tranquillement, on va lui laisser sa chance, il nous dit qu'il va faire les choses autrement, il nous dit qu'il a une nouvelle vision de la politique, on va le laisser faire, et les Polynésiens jugeront donc l'an prochain en 2023. C'est ce qu'on a fait. On n'a participé à aucune manœuvre, aucune manigance visant à renverser l'actuel gouvernement. Mais on a été très déçus. On a été très déçus puisque au final, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une version au rabais de ce qu'on avait connu avant. Une version, toujours la même vision clientéliste, toujours la même vision de coercition des maires, toujours la même vision... Donc toutes les solutions doivent venir de maman. Maman, c'est la France, évidemment. Voilà, c'est cette vision tellement obsolète de la politique et de la Polynésie. Et dernièrement, moi, j'ai été très choqué, hein, je vais vous dire les choses comme je le pense, de voir, d'entendre l'actuel président du gouvernement déclarer que finalement, il n'avait pas confiance dans la jeunesse, déclarer qu'il ne concevait même pas qu'un jeune de 21 ans puisse prétendre vouloir être député
et que c'était absolument inconcevable, qu'ils étaient par nature incapables d'assumer une telle charge. Alors franchement, voilà, ça c'est l'antithèse du message que nous on essaye d'envoyer à la jeunesse. Voilà, si je peux juste dire ça pour... C'est le message vraiment que je voudrais laisser à ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Timothée Le Gaïc, as-tu un message pour la jeunesse? Oui, ce que je veux dire à nous qui sommes jeunes, c'est que nous avons un pays à bâtir. Nous avons la possibilité aujourd'hui de mettre en place les fondations de notre nouvelle société, de notre nouvel État. Si vous nous faites confiance, tous les trois, évidemment que demain ou l'année prochaine, nous n'allons pas résoudre tous les problèmes dans notre pays. Nous n'allons pas résoudre tous les maux dans votre pays. C'est aussi ça qu'on a voulu faire comprendre à la population polynésienne, au peuple maori, c'est que le député ne peut pas tout faire. Mais on s'est rendu compte que ce qu'on nous propose en face, ce sont des plantons, des coursiers, pour aller en France uniquement chercher de l'argent. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour quel projet, en faveur de qui. Là, nous avons un message d'espoir et surtout de dire que c'est à nous, ensemble, de construire la société de demain. Nous, en tant que députés, on fera les choses en fonction des moyens qui nous sont octroyés, toujours en partenariat avec nos institutions. Et si c'est M. Edouard Fritsch, à partir du 19 jusque l'année prochaine, ben ça sera avec ce gouvernement que nous allons travailler, avec les 48 maires qui sont actuellement maires des communes polynésiennes. Nous n'allons pas regarder la couleur politique, nous allons regarder les projets. Et s'ils sont en accord avec des projets qui vont dans le sens d'un progrès social, écologique et humain, alors nous allons travailler avec eux. La deuxième chose, c'est que j'appelle à une union des générations. Parce que pendant cette campagne, nous avons beaucoup parlé de la jeunesse, mais nous représentons, à nous trois, plus tous nos soutiens, tous les militants et tous les responsables du Tavenihuiratira, un ensemble de générations qui sont représentées dans notre parti. Nous n'avons pas mis en avant que des personnes âgées, nous n'avons pas mis en avant que des jeunes, parce que notre souhait, c'est qu'il y ait encore un lien, qu'on retrouve ce lien entre toutes les générations, et pas qu'il y ait une génération qui soit plus représentée que d'autres ou qui soit plus entendue que d'autres. Dans chacune des générations, il y a des bonnes choses à retenir, à récupérer, et surtout, c'est dans cet esprit collectif de travail ensemble que nous voulons, par notre trio, fédérer le peuple maori. Merci beaucoup. Et on va finir avec Steve Chaillot. Quel est ton message pour les Maoris d'hier, d'aujourd'hui et de demain? Aita te poroe noa ta awina aroe te utu moi tato no te whātua tira iei te mana oto tato ne iriti ture. Wa tae paha tato e tau toto mo mea toa, nā rea no te wiri paru. Tau toto mo mea toa. Wa tae paha tato e te tau e wha api te mo mea toa. E e nei e toru tau e a i tui tau i e e mai te e o te i pupotu nei e rato o toru re tui te ne mai tira i ta tato. Te mo e toto tato, aita tato e hin aroe e rido mai mato e iriti ture no te hauwharani. Aita mato in aro e rite o tu mato e iriti ture no te perikete ni o te hauri pupuri ta ora rano te tei pērhei o te whenua nei, aita. Te veira trahi ai re tui mato e te papa e te patua tinira e to tāua nei nun a. Te nun a nā mua te tino ia hi o hi atu nā mua roa. E ia parau na tato e te parau no te api tona ura ara e whirurira api e to ai tona. E pe api, hiro api, varua api, mana o api te. Te mtea e ma te tumu e mato e vovo e to mato mo mana o i te ene te me no reira. Me te pau te parau e no te tiamara. E parau te e na mora te reo to e whenua. E parau te e te re te arhoi to e nun a, te re te arhoi to e atua. E ia parau na tāua e te parau no te re wau to ai e te parau no te turar ai e i roto. Te turo te whenua te nun a i te atua rai. Te parau e no te tiamara. No reira, me te pau hoa hina aro tātou.
aha api tatu ya tu mai te wi api ya te paro paro ere ane ya te paro paro e ye nei te mo te mo wi api te ni ni no te har mai e pupu ya tatu no te papa ya tatu ti aturi mai te wi api ti aturi mai te hina pa ara tra o te tia mai te ye ni mahana no te har mai mo ya o e te nuna no te tawe ni ya o e te nuna ma o e tatu poro. La Polynésie française Maui-Nui regorge de mets culinaires incroyables. Quel serait ton plat favori parmi tous ces plats? Alors, mon plat favori, c'est un petit clin d'œil au Moutou peut-être. Ce serait le carapou. Le carapou, c'est une espèce de houto tapé, mélangé avec de l'amidon et du lait de coco que j'ai goûté. Il y a des petites variantes, des petites spécialités en fonction. Tu as Takaroa, Aho, bon, chacun dit que c'est son meilleur carapou. Hein. Mais j'ai aussi entendu dire qu'il y avait certains qui disaient que le carapou c'était du poulet mélangé avec du riz ou... Bon, ben, j'irai goûter aussi ce carapou. Peut-être que ça va devenir mon plat préféré. Le carapou sous toutes ses formes. Et enfin, Steve, quel serait un secret inavouable? C'est le moment des confidences. Alors, je ne sais pas. Non, ce n'est pas un secret inavouable, mais il y a une partie, en fait, de mon parcours qui est ignorée par beaucoup de gens. On me connaît en tant qu'anthropologue, maintenant, aujourd'hui, engagé en politique et dans la culture, mais... En fait, ce que les gens ne savent pas, parce que ça, c'est quelque chose que je garde pour moi, c'est que j'ai été aussi étudiant en théologie et que j'ai étudié la théologie en Nouvelle-Zélande pendant un certain nombre de temps. Et surtout, j'ai été aussi missionnaire pour prêcher la parole de Dieu en Chine. Et je suis resté en Chine pendant plus de 6 mois à Shanghai et à Chongqing, donc au centre de la Chine, où j'ai eu l'occasion d'expérimenter justement la vie et la réalité du quotidien des Chinois. Et d'y aller faire ce que j'avais à faire. Ce que j'ai fait en Chine, ça n'a pas été finalement du travail du prosélytisme, mais j'ai fait de l'humanitaire, c'est-à-dire que j'ai été bénévole dans des orphelinats, j'ai été bénévole dans des hôpitaux pour enfants, et je suis allé aider à nourrir les pauvres sans-abri dans la rue. Donc ça, c'est une partie de mon parcours que beaucoup ignorent et qu'aujourd'hui je révèle devant nous tous. Et si tu étais un animal, lequel serait-il? Oh, un animal. Un bichon. Oui, moi je dirais un bichon parce que voilà, moi j'ai un bébé, hein, j'ai un fils qui s'appelle Tuki Babalu, hein, et c'est un petit bichon, et si je devais être un animal, je serais un bichon parce que je suis gentil, hein, je suis très très gentil, je suis très doux comme garçon, et ouais. Alors moi je vais quand même, hein, parce qu'on m'a pas posé la question, mais je veux y répondre. Mon plat préféré, hein, je le dis, c'est une forme d'appel en fait à tous mes copains pêcheurs. Donc mon plat préféré c'est le ouravena. Voilà, amis pêcheurs, si vous avez du ouravena en rabe, n'hésitez pas à m'appeler, m'envoyer des MP, des signaux de fumée, tout ce que vous voulez, et du ouravena.